Les amis, nous voilà sur le stand de Game Changer Audio, une marque qui nous vient de Lettonie et une marque qui est surtout un partenaire de Tone Factory pour Sonam 2020. On est très très fiers de les avoir en partenaire parce que c'est une marque que j'adore. C'est vraiment conceptuel ce qu'ils font. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qu'on a fait sur la Plasma et sur la Plus, allez la voir parce que c'est, on a pris un pied monumental avec ces pédales. C'est vraiment top, très 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 original. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Ilya avec nous. Thanks for having us. Hey, how's it going, man? Yeah, going good. Hey, everybody. Yeah. Let's talk about Game Changer. Yeah. Everything is going very fast for you. The brand is just 3 years old. Yeah, that's right. So, you know, I think 2017, we showed up here at Winternam with three handmade prototypes of the Plus pedal. We didn't have a booth, we didn't know anybody, and we like barely had money to fly back. And we just like didn't know what's happening. And then, so this is 3 years later now, this is our fourth show. We are announcing our sixth product, the Light pedal. And we have a nice booth, and we've been swamped with people, with amazing people, and like, it really feels like we are becoming part of the community. So it's really, really, really awesome. You are, for sure you are. And the place is amazing, I love it. So I'm a huge fan of your products, yes. First of all. And we're gonna talk about the new one, the Reverb. Yeah. So the Reverb, well, we really, really wanted to do a Reverb, but as you know, we don't do things the normal way. We always try to, like we would always try to find inspiration to come up with a new technical process, technological process to achieve some kind of effect. So in the case with Plasma, that was the like high voltage distortion. That's the only like distortion that uses a like voltage transformer. So we wanted to do a Reverb, and we still want to do all kinds of effects, but it always has to be some kind of original technological process. So in the case of the Reverb, we did a lot of experiments and with transducers and various vibrating materials and that kind of stuff. And we wanted to do some kind of thing with optical sensors. And the idea behind the new Light pedal, which is an optical spring reverb, is that we are using infrared light sensors to capture different range of harmonics on the spring. So traditional spring tank, like when you hit it, by the time it vibrates all the way to the pickup, most of the input from the guitar is gone because you're just hearing the spring's natural fundamental frequency. But when you're using specific like infrared sensors, you can capture various harmonics at different points in the spring. So that was the foundation, and I think we've done a pretty decent job with it, so yeah. Okay, thanks for all, Ilya. And now I'm gonna play this beautiful pedal. Let's go. Yeah, let's go. Thank you.
les amis, pour cette light pedal de Game Changer Audio. Alors franchement, j'ai adoré cette pédale. C'est vraiment hallucinant comme c'est simple d'utilisation. Pourtant, on voit qu'il y a pas mal de boutons, pas mal de réglages. On y reviendra dans un test un peu plus tard dans Tone Factory au studio. On va un peu se poser avec cette pédale parce que franchement, elle vaut vraiment le coup. Là, on est encore à l'état de prototype. L'IA vient de me dire, mais alors franchement, ça sonne d'enfer. Ils ont même gagné un prix pour ça sur le NAMM cette année. Je pense que c'est une des meilleures reverbs que j'ai essayé pour sûr. Et surtout, ce qui est bluffant, c'est que c'est très direct. On a vraiment la sensation du ressort. On n'a pas de barrage numérique. On n'a pas de barrage tout court entre le jeu, la guitare et l'ampli. En fait, on a vraiment l'impression que c'est tout naturel et c'est très, très, très inspirant. Encore une fois, quand j'avais essayé la Plasma et la Plus au studio dans la vidéo consacrée à ces deux pédales, j'avais adoré parce que c'était hyper, hyper, hyper inspirant. On joue des trucs qu'on joue pas d'habitude, on va chercher des notes, ça donne des idées, on compose des morceaux. Enfin voilà, faut pas oublier que le matériel est fait pour ça. J'ai discuté avec ces gens-là, c'est des super ingénieurs, mais c'est aussi des musiciens. Et c'est des gens qui ont des idées plein la tête, qui sont un peu fous entre nous, mais pour créer des trucs pareils, il faut être un peu barjo, je pense. Donc voilà, on a pris une grosse tarte avec cette Game Changer Light Pedal. Suivez bien les infos sur cette pédale de Game Changer Audio, puisque les préventes seront ouvertes à partir de février. Il va y avoir des tarifs apparemment très intéressants pour précommander ces pédales, donc ça vaut vraiment le coup. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode de Tone Factory, demain normalement, si tout va bien. Donc à bientôt les amis, restez connectés, et nous on continue notre balade dans le NAMM Show. No.